Mais bon, quand on voit comment ça a terminé la dernière fois, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est moins. Ça donne moins envie, je viens de te le Ça dire. donne envie de voyager. Ouais, de partir très loin et d'effacer son compte Twitter. Alors, rejoindre. Est-ce qu'il y a des devs pour nous rejoindre là? Ça donne envie. Hey, petit dep là. Non, mais y a des mecs qui sont voilà, qui ont un rang mignon. Sachez que je suis plus silver, hein. Vous pouvez jouer avec nous sans honte. Je suis quand Sans même honte, c'est un Nova bien grand 1. mot, mais Nova 1 et Nova 2, c'est super sympa comme rank. C'est des bons matchs. Ah, c'est vrai qu'il faut pas faire de retour Windows sur. J'avais Non. oublié. Alors toi, t'as une AK, je suis désolé, Tite. Ah, Yatit, ah, mais. Ouais, mais il est Ah, très Yat. fort. Il est très très fort, je crois. Ah, mais je vois qu'il a des trophées en or de la DreamHack et tout, hein, mais. On peut lui laisser le bénéfice du doute. Parce que ça Moi, se je trouve, veux il va bien. carry tout le monde. Écoute, je veux bien faire Parce un que. match avec des ranks un peu Parce que je sais dangereux. pas si tu te souviens, on avait joué avec des mecs qui étaient Nova 5. Ouais. Et Nova 4, genre, je vais citer personne, mais il y en a un qui vient de nous rejoindre, et pourtant, il était presque tout le temps dernier du classement. Alors, il y a C'est des vrai. fois où ça vaut pas le coup d'avoir des mecs plus avec nous. Ah, il veut Qu'est-ce se plaindre, qui. qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas comment Eh il. Je oh! sais même pas comment il parle, attends. Ah. Bah, avec ta touche du croc. Bah ouais, mais ça marche pas, moi. Qu'est-ce que tu dis? Allô? Allô? Ah, Et il s'en va. il s'est juste barré en fait, j'avais pas vu ce qu'il Non, avait tu dit. reviens en fait. T'es malade, toi. Le mec, il vient, il fait sa blague et il s'en va. Non, tu joues avec nous toute la Alors soirée, tu mec. t'aimes là. Aïe Non, aïe c'est. aïe. Et Et... GG, tu le connais? Non mais il est AK donc on le garde aussi. En fait, on Vas-y, laisse on le y va bénéfice alors. du doute, on verra comment ça se déroule dans le match. S'ils sont tous les deux premiers qui carry, moi je dis ok. Ah, ça va que je joue avec des copains de la Coto, des os. Allez, super. Non, mais c'est bien, la Coto, de toute façon, vous avez des grands projets. Non, puis je les vois là en train de jouer là, Aether, les notes, c'est bien là. Ouais, on a vu vos best-of, les gars. Hein. Super Ils sympa. étaient tordants. Hein. Et le passage avec le ballon là à 7 minutes 30, j'étais mort. Ah, j'en pouvais plus moi. Ok, on va jouer avec Tite, GG, MGX, qui vont nous carry. Ou peut-être que non. En fait, ils sont virés et humiliés si jamais ils se retrouvent en dessous de nous. Mais qu'est-ce qu'il Tiens, fait, tiens, Aether, Heiser. Mais si vous jouez ensemble, pourquoi vous êtes là? là? Ouais, ouf. Oh bah, pardon. Ah, juste. Ouais. Ouais, j'essaie d'arrêter, hein. Ah, c'est dur. Oui. Accepté, Tout, évidemment. tout, tout. C'est quoi le YouTube de la Koto? Tu vois, ça commence. Ça Voilà. part. Ah, mais vous leur donnez quelques monteurs et ils font les 3 millions en 6 mois. Je te dis pas qu'il va devoir faire une vidéo explicative, expliquer pourquoi c'est plus le premier. Hein. What is Koto en How did they dépasse me? Dépasse-mi. Fait longtemps que je suis allé à l'école. Aucun discours possible. Ouais, et toi aussi. Ça remonte, hein. Ah, les cours d'anglais. Voilà. Tu sais que j'ai pu écrire. Enfin, non, c'est encore un gros Tu mot, veux mais. dire le geste, Dès que je dois écrire. faire un truc manuscrit, je suis là en mode. Je suis pas à l'aise, tu vois. Genre, Ouais, je moi non suis pas plus. genre. Ah, moi non plus. Et je me demande comment ça va être dans, je sais pas, genre dans 40 ans, tu vois. Comment, quand je vais Mais écrire, est-ce les que ça jeunes va être savent plus compliqué? écrire, hein. Ah bah ça, je vous le dis, monsieur. Ça se perd. Non, mais je me demande, vraiment, si on va un peu perdre. Je pense que j'ai perdu. Et déjà, il y a mon tic que j'ai eu en cours et qui est jamais parti de. Je sais pas si tu as déjà vu le faire. Je me tourne le poignet régulièrement. Ouais, ça me dit Pour un faire truc. craquer avec la main droite. Ça, c'est Ça. à cause des cours. Parce que j'écrivais tellement rapidement et. Comme si j'étais à la fac, parce que vu que je faisais des trucs intensifs, j'écrivais tout le temps et j'avais mal au poignet. Bah, j'ai toujours mal depuis ces temps-là. Ah, Donc sérieux? l'école, c'est pas une bonne chose. Bah, c'est pour ça que je craque du Putain, poignet à chaque fois. t'étais tellement un élève assidu que ça a fini par te détruire en fait.
Ça t'a fait mal? T'as trop travaillé à J'écrivais l'école? alors que je retenais rien du tout de ce que j'écrivais. J'ai beaucoup trop travaillé à l'école aujourd'hui, c'est un handicap quoi. Non mais tu sais, j'ai tellement crispé que je détestais les cours que du coup je pense que ma main se contractait fort. Ah c'est ouf, j'avais repéré mais je savais pas que c'était un truc. Bah c'est à cause de cette merde. Ah. Alors que les élèves normaux maintenant ils ont un clavier. Alors, Enfin je suppose. t'inquiète pas qu'au lycée Oui les lycéens ils écrivent encore. ça prend son grand stylo plume. Stylo plume, putain. Je sais pas pourquoi quand j'étais petit on nous obligeait à en avoir un. Ouais, ils essayaient de. Ouais, je sais pas pourquoi ils essayaient de nous faire passer au stylo plume. Bah moi c'était obligatoire hein. Je sais plus quelle classe c'était. Je sais pas si c'est avant le collège ou début collège, mais en tout cas je sais que c'était obligatoire d'acheter un stylo plume. Non, Alors que c'est de la merde. pas au lycée ni au collège. Non, arrêtez, vous êtes pas avec un PC au lycée ou au Quoi? collège, arrêtez. Alors je sais que quand j'ai repassé mon bac, je sais que les mecs du lycée, ils avaient des iPads. Et qui étaient au lycée. Wow. Putain, t'es dans quel genre de lycée? Un lycée de connard, un lycée pro. Lycée privé? Moi, Hein? je faisais une formation pour passer le bac en une année qui était au-dessus. Mais le lycée, c'était un lycée pro, ils avaient des iPads! C'est fou. Tu t'installes des grands Candy Crush et tu Qui passes une belle année. veut travailler à 16 ans quand on a un iPad dans Yo, les mains? hello. Coucou. Coucou. Allez, on vous suit, tiens. Ouais, vaut mieux. Vous devez nous carrer, vous avez un meilleur rang. Quelqu'un qui a dit un truc pas con, je suis sûr qu'il avait une OP de l'éducation nationale avec une marque de stylo plume. Mais non, parce qu'on devait pas Sont acheter fait des stylos plumes mastune. précis. Non, ils se sont fait mastune, mec. Il n'y a aucun argument. Il y avait un lobby des stylos plumes et ils étaient tous ensemble. Encore. Vous devez acheter un stylo Maped. Sinon, vous n'êtes pas accepté. De telles marques. C'est très important. Bon, en vrai, c'est comme tu sais, les orthodontistes qui te conseillent un truc, un Ah dentifrice, ou ouais. alors les médecins qui t'incitent à prendre un médicament qui est pas remboursé par la sécu, tu sais. Ils Ouais, ont des ça oui. petites commissions là, les bâtards, hein. Ah, ça prescrit des grands médicaments pas remboursés, hein. Ah, saloperie, il va. On t'a vu. Et Hippocrate, il est où? Putain, pourquoi j'ai acheté ça? Oh, le tocard. Let's go, Colombie. Altocar, je vais. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Terrain, je te flash. Voilà, avec tout ça, tu vas faire un multi-kill. Non. Bah pour ça il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un. Ils Ils ont ont dû dû rusher rusher de de l'autre l'autre côté, côté, c'est c'est con. con. Ces cons là. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Ah non, J'ai y en quand a même pas de un chance. sur site. Allez, faut C'était. planter. C'est pas moi qui ai la banque. Ah Waouh, il a réussi à me tuer avec si peu d'HP. Vas-y, lance ta grue, il meurt. Hein. Je l'avais prévu. non! Ah, c'est terrible! Ah bah j'avais cool hein. Ah non! Ah oh, ça, ce match, il est win en fait. Pas sûr. Je viens de mourir, je suis pas très content. Et toi, t'es dernier, tu bouges pas, t'es bien. Ouais, mais. Ah ouais? Ouais, mais cette fois on est avec des mecs forts, tu vois. Cette fois on joue pas avec la Koto. La Koto Famidi. Ah putain! C'est grave de se faire un nom d'équipe, quoi. Un nom comme ça. Ouais, parce qu'il y a marqué Bankid à côté de toi, frère. C'est très grave. Deux têtes d'affilée? Bah putain, Il y en il a a des un qui. réflexes. Est-ce que tu penses que Aïe. il va faire son vrai retour, Diablo X9? La carlangue, il pêche. Me dis pas qu'il y a eu une annonce qui est. Non, je me demande Ah. juste quand est-ce qu'il va faire son vrai retour, Non, c'est pour de fini. vrai. La dernière fois qu'il a Il en essayé, il aura y a eu pas un sur un. site. Je pense que tu vois, c'est comme il s'est comme s'est terminé avec son ex et qu'il a vu que ça passait plus, quoi. Ah ouais, putain, mais on a tous fait ça ou quoi, man? Il y a un truc qui a disparu, tu vois. T'es là, tu travailles avec ton ex, et alors confronte-toi, tu sais que c'est mort, bah c'est pareil avec Ouais. YouTube. Tu vois, il a forcé un peu, il s'est dit. Ah non, il n'y a pas cette flamme. Il n'y a pas. Et moi, Fanta, j'aimerais bien connaître le fin mot de l'histoire quand même.
Attends, il avait pas juste. Lui, il a fait un burn-out en gros quoi. Non, il a arrêté ça. Mais là récemment, apparemment, il a delete toutes les vidéos de sa chaîne. Quelqu'un a demandé sur Twitter, genre pourquoi t'as fait ça? Il a dit j'ai pas à me justifier, c'est un choix personnel. Ah ouais? Ouais. Putain, Ah, c'est qu'il y a forcément quelque chose, tu vois. Qu'est-ce qui. Quelle est la raison? je sais La France veut pas. savoir. Peut-être qu'il y pensait la nuit, genre faut que j'aille voir mes commentaires. Faut que j'aille voir mes commentaires. Je sais pas. Il faut que André Phoenix fasse une journée avec Fanta pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé. André Phoenix qui a delete son compte Twitter, je crois. Ah Ça bon? delete, ça delete partout en Ah ce bah moment. hey, t'as vu Siphano? Oui, Siphano a. Je sais pas s'il a juste désactivé son compte Twitter, Il a du coup. des axes sur son compte J'ai Twitter. entendu ça. Ça part en ce moment, hein. Tout le monde s'en va. Vraiment, genre, moi je. Twitter, c'est un ramassis de merde, mais bah, c'est mon endroit. Ma petite maison qui pue. C'est genre une maison qui pue la merde. Elle a ses odeurs, ses visiteurs, mais. Là, c'est. On Ah, s'y mais sent bien. j'ai marché sur un mec de 14 ans qui me fait la morale, bah, je me suis les pieds et puis je continue à lire. Faut s'y faire sa place. Pas plus tard quelques jours, j'ai été cancelled par des gens de 14 ans. Je suis en mode waouh, mais comment je vais survivre? J'avais envie de Dézac, et puis j'ai surmonté le Je pense truc, quoi. qu'on Je me peut suis pas dit, bon, dire mieux. bah, Le mec était sur le point de Dézac face à quelqu'un de 14 ans. J'ai vraiment cliqué, hein. J'étais en mode Dézac ou pas? Putain, quand même, 14 ans, il me dit, je suis cancel parce que j'ai fait une remarque sur le maquillage. Je fais, bon, allez, Ah, Damien, petite hésitation quand même. prends ton courage à deux mains. Et là. Bien joué. Bam! Oh non, c'est quoi ça? Oh T'entends? non, ça recommence. Ça recommence. On Est-ce que dirait. j'achète juste la web avec que ça? On dirait les mecs dans le bus qui imposent leur musique à tout le monde. Généralement, c'est pas des mecs qui écoutent du métal, bizarrement. Ouais, c'est vrai. Le... Bah tuez-le, bon sang de bon. Oh là là, c'est pas bon Bah ça. t'avais une arme, non? On va falloir le tirer. J'avais un deagle, ça suffit. Bon bah je vous Ah regarde. Bah, t'avais une arme, pourtant il t'a eu avec. T'avais un AWP en plus. Ça alors. Bon, on va faire spectateur, hein. Bon, tu sais, tant qu'ils nous font gagner le match, moi ça me va. On s'en fout de nos stats, ce qu'on veut c'est augmenter. Ah, c'était. Tu es en train de dire que tu veux qu'on se fasse carry, c'est ça? Oui, bah j'ai pas de honte à dire. Faisons-nous carry alors. Bon, résultat, moi j'ai toujours pas trouvé d'application pour. Ça joue, mec. Pour savoir combien j'ai dépensé dans Uber en tout cas. Ça me Il est saoule. short aussi. Il y avait pas un site là. Ah non, Il a dépenser. fermé. Il a fermé? Il y a un truc qui te permettait Uberstat là, et Ouais. Il n'existe pas. Ça se trouve Uber l'a fait fermer. D'accord. Ouais. Ouais, au niveau de. Ouais, j'avoue que pour En avoir vrai, si je tout. devais jouer au jeu juste Uber en comprenant les C'est sûr. transports plus la bouffe, je Je saurais vais même pas choper la combien d'argent web, j'ai je pense, dépensé mais c'est depuis pas le grave. début. Ah ouais, moi aussi, Mais hein, je si tu pense prends tout. que. Je pense que je suis à plus de 5000. Merde. Ah, je pense pas que ça Moi t'aide aussi, aussi, je hein. pense. Je Sûrement. suis trop con. Et encore, je dis large. Je pense large. Et quand tu vois qu'on va avec Webedia des fois et que je vois l'aller qui me coûte 40 balles, je me dis. À mon avis, si j'ai fait 100 balles Voilà. en un jour, à mon avis. Ça sent le roussi. Ah, je crois que j'aimerais pas voir. Justement, moi j'ai envie de voir. T'aimes bien souffrir, toi. Non, mais être conscient de combien ces bâtards ils ont grâce à moi. Oh putain, non, mais on peut plus jouer! On peut plus jouer! C'est pas possible! Oh, il a pris ton AWP, l'enfoiré. J'allais venir le prendre, hein. Je suis deg. Je le sens. Oh, ça va me rush en longue et je vais mourir. Ils ont une AWP en A, ça va être compliqué, Ah, je c'est crois. bon. Pas aujourd'hui. Ah bah bravo le TK, putain. Quoi? What? Qu'est-ce que tu fais à lui jeter ça toi? Il est ouvert, je crois, il a pris Naka.
T'as juste jeté le premier truc que t'avais sous la main, ça aurait pu être une poêle, ça aurait fait pareil. Oh non mais putain, mais ils sont trop forts avec leur Tech 9 et tout le bordel là. Est-ce que tu crois que GG va y arriver vu qu'il est premier de notre team? Avec un scout ou un 1 contre 4 avec un scout? C'est sûr, sûr et certain. Et les bus, c'est pas envisageable. Eh les gars, on a jamais dit que on pouvait pas se permettre de le dépenser. Hein. J'ai juste dit que j'aimerais bien savoir combien j'ai dépensé. Oui, on s'est pas plaint. Juste, c'est toujours impressionnant de... C'est juste une curiosité que j'aimerais bien savoir combien j'ai dépensé. On push B. Je lance une seule flash. Personne s'arrête, sinon bah, on perd le round. Et bah voilà, voilà qui est clair. Ouais, j'ai rien compris ce qu'il a dit. On va B. Moi j'y vais avec mon Glock, donc je ferai une diversion. D'accord. Regarde là, je vais mourir. On est parti. Push, 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 push. Voilà. Non mais je sers à rien. Je sers à rien. Dommage. Voilà, donc là. Oh écoute. Nice. Mais le mec il... Ah oh là, tu veux... Oh là. Il est contre un round... Il est contre un round déco attends, et... Attends, laisse-moi voir son profil. Laisse-moi voir son profil. Il était déjà tilté. Ouais, voir le profil. Fais voir ça, toi. Oh là là, t'as des commentaires ouverts, toi. Oh là, Minius, attention, hein, premier avertissement. Au deuxième, le lien est droppé dans le chat. C'est nul de s'extasier sur les rounds d'écho. Non, mais c'est clair, le mec était trop saucé, fils de pute, tu sais, on a tous des glocks. On était flashés avec des glocks. T'es nul. Zero is coming. Il y a beaucoup plus de balles en rab dans le Glock que dans l'USP. Ce qui prouve bien que le Glock ça fait de la merde niveau dégâts. Putain mais oui ça fait de la merde. Oh le bordel. Je l'ai enlevé combien là? Marqueur. Quand même. Marqueur. Go. Ouais bah je vais pas le meilleur là. C'était. Faut planter. Ah le live c'était. C'était. J'ai une webcar si vous voulez. Vas-y plante. Ouais je plante mais il me visait l'enfoiré quand même en fait. Bien joué. Ok. Je savais pas qu'on était 3, c'est pour ça que j'ai un peu paniqué. Désolé. Non c'était bon. J'ai contourné, y'a pas trop de soucis à se faire, ils étaient un peu dans la merde. We're gonna build a wall of dick. And they pay for it. A big fat wall. Headshot. Oh, vous passez trop vite. Non! Faut que j'arrête de jouer comme un teubé aussi. On est passé Nova 1 quand même, je suis plus silver. Oh, mais ta mère, toi, fils de pute! Ouais, c'était mérité, j'ai tout vu. C'était mérité. Quel enfer! Allez, c'est mon AWAP, tu peux tout faire avec. Tite, il est bon, hein? T'es prévenu? Ouais, pour l'instant, ouais. On est deux grosses merdes, on peut rien dire. On va voir. Ouais, y avait personne là. Je sais pas pourquoi il a tiré. Ouais, c'était facile là. Bon. Ouais, bah à côté en fait. Ouais, bah. J'ai sur la pente. À mon avis. Oh là là, c'est nul. Oh tu... Ah ouais, quand il sort de l'autre côté, c'est pas le pied. Cette technique de décale de MGX, oh là là. Car je crois. Ah enfin! Bravo GG! Aïe! Il faut faire en sorte. Non, ce serait trop facile. J'allais dire de provoquer Minius, mais. Tu veux vraiment qu'il prenne son mur? Laisse-le, ouais, regarde. Non, mais franchement, Minius, tu vois, c'est un mec vulnérable. Si on commence à gagner vraiment. Non, il est premier et il a fait le fou alors qu'on est en round déco. Genre. C'est pas assez. Ouais, c'est pas assez, mais c'est le premier avertissement, après c'est le carnet. Hein. Si on se met à gagner, je te jure qu'il va devenir arrogant. Les gens dans le chat, tu sais, ça fait longtemps qu'ils ont pas mis de beat. Ah oui, là, ça les démange, tu vois, genre. Tu sais, comme un tueur en série qui veut récidiver, tu vois, ça fait longtemps qu'ils ont pas mis de beat. Si on, et s'ils peuvent pas épuiser leur stock, ça va être le bazar. Hein.
Ils ont de la bite à revendre. Bon bah y'a personne en A. Window et site. Oh ça pue en B là. Ah je vois pas où c'est. Bien joué. Voilà. Ah, regardez-moi bien faire les deux derniers kills. Window. Il est mort. Un line à l'autre. Why? Dors. Bien joué ça. Ouais! Bah ouais, je les call. Et pourtant, je les ai pas vus, hein. Juste, j'ai été smart. Et ouais, smart box. On dirait une vieille pub de merde. Et ouais, ça, c'est la smart box. Tu sais, avec les gens qui font un grand sourire. Merci. Je ne suis pas le même joueur que ce matin. Je suis passé acheter une smart box, chérie. Merde. Starbucks, c'est la chamanin qui fera plaisir à toute la famille. Ça marche plus. Oh. J'ai mangé des gnocchis, c'était pas bon. C'est pas ouf les gnocchis en fait. C'est... Non, vraiment, je sais pas pourquoi à chaque fois j'en achète et je suis toujours déçu, faut que j'arrête. C'est une idée. Un quart. Bien joué. C'est toujours une idée belle dans ma tête les gnocchis, tu vois, c'est... Non mais tu sais pourquoi ? Parce que je confonds ça un petit peu avec... des pommes de terre sautées. Bah alors que non, tu vois, c'est un mélange de pâtes et de fécule de pommes de terre, ce qui n'a rien à voir. C'est un peu... Importe. Un peu fat. Enfin... Mou, trop consistant. C'est juste pas appréciable. Y'a un problème. C'était d'arriver. Oh, t'as eu un contre deux. Tu vas y arriver ? C'était. En dessous, en dessous. Ah, il est juste en dessous, les deux. Les deux, c'est en dessous. Et un. Et deux. Oh non, pas juste. Gag du temps, gag du temps. Ah, il est bon joueur. Ah, il est bon joueur. C'est bien ça. Didi, ça me donne un petit compliment dans le chat là. C'est mérité. C'était gagner du temps, mais sans faire exprès quoi. Ouais. C'était bien joué. Ah, on s'amuse là. Attends qu'ils te disent genre shut the fuck up, ça ferait rire. Shut the fuck up, noob. Genre boosted. Le mec est bon joueur, mais s'il peut insulter. Pourquoi j'ai pu mon AWAP? J'ai explosé. Mais là, t'as explosé, j'avais pas vu. Non, mais j'avais tourné la tête pour t'avais voir. T'avais pas tout... vu non. Mais non, mais j'ai tourné la tête pour voir tous les compliments dans le chat. Y'en a pas eu beaucoup, mais. J'ai dû en voir un. Vas-y, quoi, c'est le stuff que vous avez sur B là? C'est bon. Mais ça part go. Alors je saute et t'arrives quand même à me tuer. Tunnel se passait. 1. Eh non. Il est pour toi bleu tunnel. Vas-y imposé. Tu veux un nouveau conseil recette? Alors est-ce que c'est gras? Non. C'est même plutôt... Je pense que c'est plutôt équilibré. Enfin je sais pas en fait. Ce que je veux dire c'est que c'est pas gras. Bleu. Un tunnel. Vas-y, ça m'intéresse. Alors, du riz, basique. Ouais. Avec un petit bouillon aux légumes. Ouais. Oh, des gambas revenus à la poêle. Et dans cette même poêle, tu fais revenir des poivrons et des oignons. Oh, pas que là. Tu fais ça, toi. C'est délicieux. Toi, tu mets des poivrons dans une poêle. Ma meuf m'a convaincu, et c'est vrai que tout seul, je suis en mode c'est pas forcément bon, mais accompagné de ça, je suis en mode ça donne du goût. Okay. C'est ouf que. Mais par contre, grillé, tu vois, moi les légumes, si je les mange généralement, faut qu'ils soient grillés. Ouais. Non, ça a l'air bon. Bah, les gambas, de toute façon, c'est trop bon, mais. Bah, est-ce que y a une différence entre la crevette et la gambas? Que j'arrive pas à faire une différence de goût.
Ça rush en long, cassez-vous. Bah je sais pas parce que les gambas on les cuit tout le temps alors que les crevettes pas souvent. Ah ça. Ils arrivent à mais là j'ai fait des crevettes à la poêle une fois, des gambas à la poêle une fois, j'ai pas vu de différence. Ouais j'ai jamais vraiment vu la différence, elles sont plus grosses mais est-ce que au niveau du goût c'est plus gros d'accord mais est-ce qu'il y a une différence de goût? Dites-nous ça dans les commentaires. Ça nous intéresse vraiment. Oh la vache! Ouais donc les gens disent que la gambas c'est plus grosse mais au niveau du goût En fait ça se trouve gambas ça veut juste dire que c'est une race de crevettes grosses et on est juste trop con. Un peu comme David Avance qui fait et ben le genre voilà il est plutôt bon. Non. Ouais même goût apparemment. Est-ce que c'est plus gros? Dommage. Non! Ça me donne envie de des petites gambas là, bien cuites là, bien fermes. Moi je vais me refaire des Saint-Jacques. T'es en mode fruit de mer. Je suis en mode j'ai envie de voyager. J'ai envie de me sortir les pieds dans l'eau là. En mode fruit de mer. Oh faut qu'on regarde le mode furax putain. Ah oui c'est vrai que j'ai dit comme ça. Je l'ai. Ah je l'ai pris aussi je crois. Je l'ai. Aïe. Oh le headshot. Enculé. Mais il avait mon avoir ce fils de pute. Wow. Sur la gauche, nice. Insulte le plus. Il le mérite. J'entends. Moins 48. Sorti. Ah dommage. Oh, ça fait chier. Regardez bien ce qui va se passer. Oh ah, il est sorti comme un pet fou. C'est le retard qu'ils font. Hein. Ah, ils sont morts. Ils sont dead. Le match est gagné en fait. 6-8. Ils peuvent se battre, mais ça sert à rien. Ils vont se débattre comme un poisson hors de l'eau, mais c'est trop tard. On va les cuisiner à la poêle avec des poivrons. Et des oignons. Quelqu'un peut flash alors. Apparemment non. Y'a personne non. Ah B. Go. Et tes gambas, tu les prends où? Au supermarché Thomas. Non je vais chez un petit producteur local. Non mais tu as une petite poissonnerie, je suis sûr que ça va encore augmenter la qualité du plat tu vois. Je sais pas si y'en a près de chez moi. C'était. Forcément. Par contre la barquette 10 balles, je te cache pas que je suis là genre ouh. Oui ça va être plus cher. Non mais rien qu'au supermarché, c'est coquet. Tu te fais une petite journée, le matin. Enfin, vous levez. Bon le matin, déjà vous levez le matin. Vous levez le matin avec ta copine. Et là, vous allez faire le même plat, mais avec que des produits frais. Et là, tu vas voir. Bon déjà tu vas mettre toute la journée à faire ton plat. Il a pas volé celle-là. Ouais. Le joueur français. Ça peut être le feu hein. Tu peux redécouvrir ton plat. Bon, c'est surcoté, je pense, d'aller chercher ça. Non, je te jure, non. Non. C'est très beau bout d'aller chercher au. Non, mais les bons poissons. Je te fais le même qui vient de Picard et je te dis, j'ai été le prendre, c'est le poissonnier. Les bons poissons. Tu vas faire, t'as raison. Achète une hache et ferme ta gueule. Les bons poissons, les bonnes viandes. Du berlu. Allez. La bonne viande, je suis d'accord. Oh, alors là. Il y a des bonnes tu peux pas. Tu peux pas. On ne peut pas tout mettre dans le même sac. Si tu vas faire de gastronomie. Ah bah on va se faire tout tunnel à mon avis. Ah non. Oh là non, on était. Putain. Attends, mais ils sont passés. Ils sont passés pour le A là. On dirait, ouais. On s'est fait niquer. On s'est fait niquer. Ouais, ils me défoncent. Oh là là. Oh yeah.
Oui. Bien joué. Bah, parfait. Eh bah c'est oh, bon. Bah... Putain. Super ça. Super tes autres vaches. Vous savez que le saumon bio avait plus de saloperies que le saumon saumon d'élevage. T'as vu ça sur M6 Non, c'est connu. Parce qu'avant j'achetais du saumon bio, on m'a fait mais non, faut pas en fait. On m'a expliqué, j'ai fait ah, c'est contre-productif. Bah, parce qu'en fait, le saumon bio, donc qui est dans la mer, il y a tellement de saloperies rejetées dans l'océan qu'il a plus de. À être dans un bac. Ouais, que de saloperies que quand ils sont en élevage finalement. Tu te rends compte que. Qu'on est devenu un stream de. Oui, de nourriture, et alors de non, mais de vieux. Genre, les gens, le lendemain, ils vont, genre, je sais pas, au collège ou au lycée, ils t'as vu le stream de Wankil hier? Ouais, ça parlait saumon. C'est pas ouf, hein. Je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse encore quelque chose en rapport avec la cuisine. On parle trop de bouffe pour juste que ce soit anecdotique. Ouais, c'est vrai. Faut qu'on fasse un livre de recettes nazes. Oh, c'est drôle. Chut, ferme ta gueule, c'est drôle. Avec des les phrases genre allez pas les chercher chez le poissonnier sinon c'est dégueulasse. Allez prendre du saumon picard sinon c'est dégueulasse. Prenez du saumon marque pouce. Oh mec, oh, non, c'est trop drôle si on fait un livre de cuisine avec des phrases pas du tout attendues dans un livre de cuisine. Oh, c'est trop drôle. Prenez un bon petit steak haché marque pouce à 10 centimes. Laissez-le aérer pendant 48 heures. Go, go, go. Non mais on serait d'accord, je sais qu'il y a des gens qui mourraient d'intoxication alimentaire parce qu'ils auraient trouvé des trucs au sérieux. Ah oui, il y a peut-être une responsabilité. Non mais juste des trucs, des remarques de gens qui savent pas cuisiner. Ça peut être drôle. Ouais, ça peut être marrant. Allez hop, c'est vendu, c'est parti pour gagner 30 centimes par vente. Hop là. Putain. Bon. Oh non bah, merde alors, GG. Oui. Arrête, bon allez, t'as le droit de mettre ton métal. Ça passe. Je vais vomir dessus au bout d'un moment. Après c'est drôle 10 minutes. Non, ferme ta gueule, on le fait à tous les lives. Je rigole toutes les semaines moi. Ferme ta gueule. Non, ferme ta gueule. Non, ferme ta gueule, je suis en livre. Bien joué. Yes. Aïe. Tu fais toujours en sorte de la lancer en deuxième tâche, je le sais. Non. Ah, peut-être une demi-seconde, mais pas plus. Hein. Ça, par contre, j'ai fait exprès. C'est une blague. Fils de pute. C'est pas assez cher. Non, c'est pas vrai. Ça pose en, hein. Oh merde. Je vais te TK. Non, je cours trop vite, tu m'auras jamais. Encore une longue. Il est long, il est long de vous. Ouais, bah forcément, moi quand j'arrive. Je vais prendre la bombe aussi, ça te dérange pas. Vas-y. Putain, je suis deuxième, ça va, je joue bien. C'est marrant parce que dimanche, je t'ouvrais pas ta gueule. Ouais, mais il y a des jours comme ça où tu vois, on se sent voler. Comme un bel oiseau des îles. Putain, je suis le dernier. C'est vraiment, c'est le jour et la nuit quand je joue à CSGO. Et moi aussi. Toi, c'est souvent la nuit. Non, je joue souvent la nuit, je sais pas ce que tu veux dire, mais c'est juste ça en fait. Mais la pute, mais genre! Il a pas volé celle-ci. Il s'appelait Karma, il a des cales. Sa mère. Je sais qu'il y en a un qui m'attend. Ouais, vas-y, si t'as des couilles. Ok. 50 HP? Bof. Y'en a un qui arrive short. T'es dur. C'était pas con, mais. Oh! Ok, bien joué. Oh! Oh, ça va là! Bon, c'est pas grave. Au bout d'un moment, je voulais même plus lui tirer dessus! Bon, j'arrête. Ça me saoule. GG, nice lose. Allez hop! Allez! Ouais, mais c'est pas méchant! C'est pas méchant! Il est dans quel sens? Bah, genre. C'est contre ses équipiers plutôt. Ouais, justement, t'es sûr que c'est comme ça ou alors il est en train juste de prévoir la défaite?
Encore. Ouais, il prévoit la défaite en mode ouais, bah c'était. Genre, vu qu'on a 14, il se dit bon, bah nique sa mère, on a perdu. Je l'ai pas compris comme ça, donc moi c'est le mur. Gratuit. C'est horrible, il a perdu et en plus il a des. Il a des bits. Il y a deux mid. Bon, pas le. Pas le mur alors. Désolé, je sais que vous voulez du sang, mais Thomas il a voté pas le mur. Moi je veux protéger les gens. Je veux que ce soir on trouve un vrai connard. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Hein. T'imagines si tu mets toutes tes balles dans un mec qui était plutôt sympa? T'as bon? C'est affreux. C'est la guerre. Le pauvre, bah ouais, t'as un chargeur avec plein de bits dedans. Il est et tu peux pas. Tu peux pas tout mettre dans un mec qui t'a pas fait grand chose, tu vois. Tu préfères les mettre dans le gros nazi qu'il y a plus loin. Et là on a gagné donc. Ah, en fait il est cool, il a dit GG. Thank you bro. Bon allez, je me fais pas chier, allez hop. Ça m'a saoulé. Ça m'arrive des fois. Je suis en mode fuck it. J'avais pas envie de... Quand même. Sale pute. Ouais. Oh bah oui, bah qu'est-ce que je tire avec cette arme en même temps. Il va te décaler d'un coup. T'es sûr? Ouais, c'est sûr. Il va tirer, genre sortir et tirer en même temps. Bon, il a oublié de tirer, mais c'était le principe. Mais sinon, il a failli m'avoir. Qu'est-ce qu'il fait l'over lui? Vous êtes 2 contre 2, ça devrait faire hein, les pucelles. Les pucelles, alors là, s'il y avait quelque chose de moins mérité. Alors, et bah, c'est MGX qui gagne le droit de dégager. Et moi je suis premier, je tiens encore à le dire. Alors qu'il est Nova 1. Voilà, Nova 1, c'est vrai que, Nova 1, et vous êtes tous des grandes victimes, voilà. Bah, MG... Oh, je suis passé Nova 3. Moi... Ah, Nova 2. Bon, en tout cas, MGX, merci pour ta participation, mais malheureusement, tu termines avec seulement 9 kills pour un Nova 4, ce qui n'est pas assez. Tu es banni, en fait. Je te banne et je te reporte. Alors, signaler mauvais comportement. Voilà, je t'ai signalé, c'est ce que chez Wankill c'est comme ça. Je vous invite tous à aller signaler le profil. Shit. Je l'ai vraiment report. Salut MJX et merci en tout cas d'être venu. Ah, Aizer, tu es le bienvenu. Aizer, AK, ok. Bah attends, Tite, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, Tite, il joue un peu après il se barre. C'est parce qu'il va pas non plus jouer avec nous, quoi. Ah non, c'est bon. Pardon, j'ai rien. Mais ce mec-là, il est bon à beaucoup de jeux. Hein. Ouais, bah pas celui-là, apparemment, parce que. Il était 3ème, je crois, donc. Je vois pas trop de quoi tu parles. Genre quel jeu? Mais je sais pas, tout. En fait, il a des bonnes connaissances, il joue à tout. Genre Sea of Thieves, CSGO. Parfois, tu vas jouer à un jeu random, genre Scum, il va te dire, faut faire ça, ça. C'est un mec qui. Tu dirais que c'est un mec qui vit sa vie à fond? Je dirais que c'est un no life. Ah ouais, voilà, donc il la vit pas quoi. Il la vit pas. Il la vit pas à fond. Du coup, il est super bien parce que peu importe sur quoi tu joues, il a une bonne connaissance. Petite encyclopédie quoi. Il est ouais, confirmé, il a dit yes. Yes. T'as pas dit yes, c'est trop cool. Ah. Pourquoi dans mes souvenirs, Sea of Thieves, il... Ah bon, je vais inventer une vie en fait. Petit légume là. Bah c'est cool qu'il y ait des deux comme non, map. C'est un showdown où il était grave fort. Ah ouais. C'est bien jeu. Ouais, mais moi c'était pareil, j'étais super fort. Ah ouais, faudrait qu'on en refasse. C'était pareil, moi j'étais super fort en fait. Donc pour l'instant, c'est bizarre, je vois aucune chance entre Tite et moi alors que tu me présentes comme un. Et après, il se demande pourquoi il est encore puceau. Ah, faut vite que le match démarre, hein, sinon ça va. Moi, il y a bien un truc que je regrette dans mon arrondissement, c'est que j'ai pas de Lidl. Bon,
C'est grave, tu... enfin, y a pas un franc prix ou... Bah non, mais les gâteaux, mec, les sondés d'idoles, là, rien ne peut les égaler, hein. L'idole, Bon, ouais. t'as jamais goûté les sondés d'idoles, mais les gens qui ont goûté les sondés d'idoles, là, ils savent de quoi Attends. je parle. Les sondes et l'idole, faut que je revoie à quoi ça ressemble, ça. Alors, c'est quoi exactement? Parce que... Alors, c'est les carrés avec le chocolat qui dépasse, comme un petit lu, sauf que l'inverse, tu vois, ça dépasse le chocolat. Ceux-là, par exemple, mazette. Alors... Parce que là, je vois des... Ah ouais, les viennoiseries Maître Jean-Pierre, je suis d'accord, il y a des fins connaisseurs là. Oh, allez, le Maître Jean-Pierre de chez Lidl là. Ah, tu devrais faire un livre Lidl, tiens. N'hésite pas. Hein. Je me rends, je vous laisse le faire. Hein. C'est trop, y a trop de clichés sur Lidl alors que. Eh, Silvercrest. La barrière raclette, Silvercrest. Tu vois, alors toi tu vas t'en foutre parce que toi tu bois pas d'eau gazeuse. Non, mais c'est bon. Moi j'aime bien l'eau gazeuse et je buvais plus que ça. Et si bien que finalement, ah, il faut en acheter des bouteilles, hein. Il faut en acheter. Oui, Au il bout faut d'un en moment, acheter. ça fait. J'ai donc acheté une machine et c'est Ah là où non, c'est de la merde. je suis sponsorisé. J'ai acheté une machine SodaStream. Bah non, c'est pas nul. Si, c'est de la merde, c'est ce qu'il y a chez mes parents, c'est de la merde. Non, moi j'aime bien. Non, non, ça n'a rien à voir avec l'eau gazeuse. C'est là, tu mets tes petites bulles, en fait, elles collent à la paroi et t'es juste. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit fond de bulle quand on boit. N'importe quoi, regarde, je viens d'en boire, ça picote bien là. Non, c'est de la merde. J'ai Tu peux pas trois. me convaincre, j'ai Damien. ça depuis des années chez mes parents. Damien. Peut-être qu'ils ont une Ils ont machine. que ça! Peut-être qu'ils ont une machine des années 90, mais regarde, moi j'ai indiqué par des LED trois niveaux de gazéification, Damien. Avec. Non mais. Non mais Ok, sans attends, déconner. j'avoue, moi il n'y a pas trois niveaux de gazéification. Moi, il y a juste appuyé sur un bouton, ça met des bulles. Ah, tu me connais, je suis un fils de pute, j'achète une machine à soda, j'ai pris la meilleure. Et C'est vrai. je suis un gros con. Et c'est pas mal. Mais ça ne vaut pas la Perrier ou la Badoit. Hein. Et là, tu peux dire ce que tu veux, rien à voir. Je vais te faire un goût à l'aveugle, tu vas me dire, ok, j'avoue. Après, je suis sûr que pour faire les trucs, les coca et tout, c'est dégueulasse, tu vois, mais... Oh, j'avais goûté une fois. Ah ouais, ça donne quoi, De la merde, tu bois du pétrole, c'est dégueulasse, mais il n'y a même pas un seul petit rapport avec le coca. Oui, apparemment, c'est différent. Non, c'est pas que c'est différent, il n'y a aucun rapport, et c'est même pas bon. C'est pas genre une copie d'un gâteau, et le gâteau il est quand même bon, même s'il n'a pas de rapport avec le premier. Non, c'est que ça n'a rien à voir, et en plus c'est dégueulasse. Mais écoute, j'en ai pris pour être sûr et je vous Oh ferai le mon con. retour. Mais non, mais mec, je veux évidemment Le essayer, cola toi. soda stream. Oh! Je Oh! pense La pas qu'ils aient tête! changé la recette. C'est vraiment un truc de fils de pute. Oh! Alors que tu vois, moi, Mid. une simple carafe filtreuse d'eau, de l'eau du Fin avant. robinet, comme ça, je consomme normalement. D'ailleurs, il faut rappeler que l'eau de Paris Dernier à Est part. l'une des plus propres de Côté sauté. France, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oh non! Bien joué. Ce qui n'est pas le cas de l'eau de Bordeaux, par exemple. Allez, Bordeaux, prenez ça dans votre gueule. Oh, l'eau Voilà. du robinet, c'est bon. Alors, non. Si, c'est bon. Tu peux boire un verre d'eau du robinet comme ça et te dire, c'est bon. Ouais? Non mais je Alors, sais, non mais j'ai eu ce débat mille fois, j'ai plus la force, Damien. c'est pas normal d'aimer le goût de. J'ai... Derrière le goût de l'eau de base, je suis pas en mode. Mais alors, le goût de l'eau du robinet. Non, alors on peut pas discuter. J'ai eu ce débat mille fois dans mon foyer. J'en ai Ah, parce que les ras-le-bol. gens te disent aussi que c'est pas normal, oui, je suis d'accord. Bien joué. Non, certaines personnes ont décidé que c'était pas bon, qu'il y avait un goût. Ah, oui, y a un goût. Moi je refuse. Je refuse hein, tout ça. Je suis Toi, je te contre. vois bien acheter, tu sais, la petite pipe là pour boire de l'eau croupie filtrée et dire c'est bon. Bah finalement c'est très bon. Hein. La petite paille à eau croupie là, tu la sirotes là, il va dans la gadoue et il se régale. Toi, il faut que je t'achète un filtre à pisse. Vas-y, mais arrête avec tes idées dégueulasses, Tu je bois pourrais juste boire de l'eau ta du pisse et te robinet. dire c'est pas mal en vrai. Oh putain.
Toi, je te vois trop, tu bois ta vie, tu fais, bah tu vois, je pensais que ça pouvait être pas bon. Mais ouais, tu bois, regarde, mets-toi un verre de Contrex et à côté un verre d'eau du robinet, elle est délicieuse. Oh, bah attends, t'as choisi le pire truc. Non, le pire truc, c'est l'épar. Ouais, c'est le même bail, c'est que ah. L'épar, en même temps, Contrex, mon partenaire vinceur, tu m'étonnes, ils mettent des molécules pour te faire chier. C'est simple mais efficace comme idée, fallait le tenter. C'est facile. Fallait oser quand même. Fallait oser. C'est comme chaud. Des trucs amincissants en fin de compte. Genre, vous prenez ces pilules, vous allez maigrir. C'est normal, ça te donne la chiasse. Y'en a. Tu crois qu'il y a déjà des gens qui ont, dans leur vie, ils ont bu de l'épargne, ils ont fait c'est bon. Y'en a qu'on achète, hein. Je t'assure qu'il y en a qu'on achète. Oui, mais ceux qu'on achète, c'est les personnes âgées pour leur transit là. Ma grand-mère elle avait ça, putain je peux te dire que... Ma grand-mère elle avait de la Contrex. Quand j'avais soif, hein. Quoi fois, ma grand-mère elle avait de la Contrex et des fois j'avais pas envie de demander de l'eau, mais j'avais très soif. Bah moi quand je te dis, quand je devais boire de l'épargne, j'étais pas fier, hein. Je me crevais de soif. Tu te bouches le nez et hop. J'ai plus soif. Ma grand-mère en bois, non mais oui mais toutes vos grand-mères en bois. C'est normal, elles sont grand-mères. Nous, on n'a pas à s'imposer ça. Tu n'as pas encore ces problèmes-là. Moi, j'ai 23 ans et je ne bois que de l'épar. T'as des problèmes de transit? Wow. Oh mais lui il est... vas-y il joue à la WAP ici là. Non mais attends. Plus près la WAP encore. Non mais sérieux, il nous a tous défoncés. Lui il va nous faire chier, hein, je te préviens. Bon il va avoir le Robit. C'est un petit écho. Il fait mal. Merci. Bah arrêtez de vous passer vos... Ok, voilà le placement. Mec, si c'est des déplacements, on serait plein aux as, on aurait arrêté le streaming. Hein, parce que le nombre de marques qu'on cite tous les mercredis et les dimanches, moi je me barre. Hein. Je crois que celle où je regrette le plus, c'est quand même Picard. Hein. Je crois qu'on a fait développer leur chiffre d'affaires. Picard, c'est honteux, mec. Juste en France grâce à nous. Hein. Juste à ce moment-là, à ce point-là, ils sont pas gentils. Ils sont pas gentils avec nous. C'est juste pas sympa. Non, c'est juste, franchement, j'ai jamais fait autant d'efforts de pour quelqu'un. J'ai jamais fait autant d'efforts pour quelqu'un qu'avec Picard. Genre c'est... Picard, genre je peux même pas en dire du mal. Genre je suis là, on fait la promo, genre c'est pas juste. Tu sais, ils sont en train de me chier dessus et moi j'ouvre la bouche quoi, c'est vraiment... Par contre t'as remarqué qu'on est des seuls à pouvoir citer plein de marques et à pas devoir dire... par contre je vous dis tout de suite, c'est pas un placement. Hein. T'as vu tous les nombres de youtubeurs... Non tu regardes pas YouTube. Mais le nombre de mecs qui sur YouTube... Ils le disent beaucoup maintenant. Ils montrent un... Oh mec, à chaque fois je vois ça. Dès que quelqu'un cite une marque ou montre un truc cool, il est obligé de dire... par contre je regarde, c'est pas un placement de produit. Hein. Quelle époque. Vas-y, fais genre c'est trop triste. Vas-y fais ton truc là. Non mais quel truc, c'est trop loin. Y'a pas de truc. J'ai trop le seum. Allez. Ah lui tu l'as surpris je pense. Ah. Et lui il t'a surpris. Pourquoi ils sont juste là? Parce qu'ils shit. Et voilà c'est ouais, dit. Pareil, j'ai testé des pavés de bœuf. Mais je sais qu'il y en a plein qui ont testé des pavés de bœuf. Mais y'en a plein, y'en a plein. Et on a cité que le pavé de bœuf mais bon. D'un autre côté, voilà, on vous cite les bonnes choses. Après, vous êtes content. Je suis content. Ah, je suis un homme heureux aussi. Maintenant, je suis persuadé de faire le bien autour de moi. Avec nos vidéos. Je pense qu'on utilise notre influence de manière responsable. Ah ouais. Notamment pour ne pas recommander le saumon frais. Ce que beaucoup de gens auraient pu faire, mais là, tu vois... On est quand même des gens très responsables. Moi je dis juste que je pense qu'il n'y a pas de différence et qu'elle est psychologique la différence. Ok, je n'irai pas jusque là mais on va pas débattre. Je pense qu'à l'aveugle je peux te faire goûter un saumon que j'étais sur la poissonnerie et un saumon du supermarché. Je pense que tu pourrais pas faire la différence ou alors peut-être même en trouver l'un des deux meilleurs et que ce soit celui du supermarché. C'était avec qui qu'on avait cuisiné là, Pierre Roger? Je crois que c'était Pierre Roger. J'aimerais bien qu'on le retrouve, qu'on ait ce débat et qu'il t'encule.
Non mais genre, lui, c'est trop simple. Mais là, lui je sais comment il est. Non mais je sais, je vois comment il était un peu sanguin. Je pense qu'il t'aurait étranglé en fait. Avec ses mains de cuisinier. Ah moi je peux pas te dire ça parce que j'ai pas cette prétention d'avoir un palais fin. Mais même pas foutu de faire la différence entre des crevettes et des gambas. Oui, alors ça y est, maintenant que monsieur cuisine des poivrons, il est dans la cour des grands et moi je ferme ma gueule. Je suis combien tième? Yes, je suis presque dernier. Pas mal. C'est mieux que rien. Allez toi, baisse ta mère toi aussi, bouge pas, je switch. Oh la salope. Oh. Ah, mid. Faut quelqu'un en B encore, je pense. Y'a Cyril, t'as essayé de me convaincre d'acheter un autocuiseur. Ouais. Et c'est bon, j'ai failli être tenté. Un autocuiseur, c'est quoi? C'est pour le riz uniquement ou c'est... Oh, je suis vraiment une grosse merde, vas-y. Ah, il y a une marque connue, j'ai oublié, c'est pas Moulinex. Enfin si, c'est peut-être Moulinex. Ah, les robes, ah, les Thermomix et tout le bordel là. Voilà, t'as des... la Thermomix, voilà. Ah oh, putain, ben, ça a l'air chiant quand même. Il a failli me vaincre, mais en vrai, mec, apparemment, genre, ça a l'air d'être pratique de ouf. Enfin, tu foutais tous tes ingrédients dedans et t'as rien à faire. Ouais. Cléo, voilà, il m'a dit pas. Cléo. Ma mère avait un truc comme ça, enfin, elle avait un Thermomix. Ah merde. Je sais pas. Et puis ouais, c'est long à cuire. Ça me dit. Je sais pas, mais je me dis. T'imagines, t'es là, t'as tous tes ingrédients, tu fous tout dedans. Hop là, c'est prêt. Mais comment ça, tu fous tous tes ingrédients genre. Tu fais une bouillie, tu fais quoi? Je me suis dit, c'est obligé, ça ressemble à rien. Il m'a dit non, hein, tout. Tu peux mettre genre bœuf bourguignon, toute ta poêle de légumes et tout. Genre ça. T'as la cuisson, la température et tout. Genre apparemment, c'est vrai que. Du coup, j'ai dit à meuf, regarde si ça vaut le coup. Elle m'a dit juste, ouais, grave, ça vaut le coup, parce qu'elle a vu, mais elle m'a juste dit, par contre, on n'a pas la place. Enfin, oui, c'est gros. C'est gros, ouais. Ouais, ça prend trop de place. Mais apparemment, enfin, j'aurais la place, apparemment, ça change la vie. Hein. Je crois que j'aurais la flemme. Enfin, j'utiliserais pas. Mais non, parce persuadé. Que justement, je pense que tu l'utiliserais, parce que t'as rien à faire. Apparemment, c'est vraiment, tu fous l'eau dedans avec toutes tes ingrédients. Mais je crois que tous les plats que je fais, c'est pas trop des trucs qui se font dans un Thermomix, en fait. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Genre, je sais pas, je fais souvent des viandes à la poêle ou des trucs comme ça. Ouais, pareil, moi je fais souvent revenir à la poêle pour qu'il y ait un peu le côté doré, croustillant. Mais tu manges pas de légumes. Et pour ceux qui font des légumes, c'est parfait. Ça roche B, salement. Par contre, c'est grave cher. Y'en a un qui va arriver depuis spawn. Ruine. C'est quoi grave cher? Moi j'ai vu que c'était 200€, un truc comme ça. Ok, ça doit être Thermomix qui est grave cher. Le Cookéo, je crois que c'est 200 balles. Thermomix, prix. 900€, quand même. Tu peux le faire. Ah, pour bénéficier pleinement de la version connectée du Thermomix TM5. Oh là là. 1269€. Quoi? Mais il fait quoi spécial? Il va sur la lune? Alors je sais pas, déjà il est connecté, mais à part ça je sais pas. Connecté? Oh, j'sais imagine, pas. Tu mets tous tes ingrédients dans le matin, okay. Et avec ton application ça... Oh ta gueule! Avec ton application tu fais ok Google, prépare le bœuf bourguignon. Et là il... Hop. Non, allez, limite. Moi tu vois, je veux... Alors il y a une app, paf, il y a les gens, ils t'apportent tes ingrédients. Les foutre dans ton Thermomix et toi tu continues à te remuer les doigts de pied dans ton canapé. Et quand il dit c'est prêt, tu dis non, vous allez me l'apporter. Bah, t'as vu que les gens ils sont assez unanimes pour dire que c'est tout se fait dedans et que c'est bien le. Ouais, le non, mais c'est reconnu, c'est bien, c'est juste bien. Mais j'ai l'impression que c'est faut pour que les gens. Toutes les possibilités du truc. C'est pour les gens qui aiment déjà cuisiner des petits plats, tu vois. Bah, moi j'aime ça. Voilà, bah, pas moi, tu vois. Du coup, peut-être que pour toi, oui. Tu vois tes petits plats là, tes petits plats de gambas de mon cul là, je sais pas quoi. Bah ça à mon avis, ça tu vois, c'est, t'es un peu la cible avec ça. Tes gambas de mon cul là. Moi avec mes petits plats là, je sais pas, une escalope de veau avec du riz. Bon bah tu vois, je vais me faire enculer, clairement. Bah ouais mais ça marche, l'escalope de veau avec du riz. Hein.
Ça marche, hein. Tu fous tout dedans. Ça fonctionne. Et en plus, ça fonctionne. J'ai loupé une carrière de vendeur sur le marché. Ouf, il y en a deux. Tu ferais bien d'y aller, hein, parce que là... Non, t'inquiète. J'ai un timing. D'accord. Ouais, y'a pas de soucis. En librairie. Tu peux aussi faire des cocktails dans le thermomix. Incroyable. L'été, eh ben, comme ça. Super. Eh, tu peux faire, tu sais ce que tu peux faire? Ton propre pain. Génial, non? Super, ça. Grosse flemme. Tu peux grave faire ton pain. Alors, tu mets 8 heures à le faire, mais c'est pas grave. J'espère que faire du pain, c'est gratiné quand même. Faut avoir de la motivation quand même. Si tu vas jusqu'à faire ton propre pain... Tu l'as. Bien joué. T'es très fort, GG. Ouais. Ouais, le métal. Avec ton son. Thermomix à l'épargne. Tu mets de l'épargne pour la base, pour faire cuire ton riz. Elle devient délicieuse. Ça permet à tous tes plats de te faire chier. C'est génial. En vrai, c'est génial. Au lieu de mettre de l'eau pour faire bouillir tes trucs, tu mets de l'épargne. Qui veut du riz? Oh, c'est un peu... Ah ouais, ça fait un peu genre, tu sais, comme la tartine de confiture scotchée sur le dos du chat. Bah, si tu fais bouillir du riz avec de l'épargne, le riz, ça constipe. L'épargne, ça fait chier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Rien du tout, c'est complètement neutre. Ah. Ouh! T'as un one, ça. J'ai reconnu. Le mec est pas content. C'est dur. Hein. Il est trop le dernier. Reviens à one là pour le dernier. Il est où? Ouais, bah super, je l'aurais fait, hein, mais bon. Oui, tu l'aurais eu. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme arme? Bah, je suis bien dernier encore. Ça, c'est parce que j'ai mangé des gnocchis, ça. Ah, tu passes une sale journée. Oui. Ah. Alors, bon, on va le dire. Moi, je vais le dire, hein, parce que... Je sais pas, j'aimerais avoir... J'aimerais m'acheter une heure de grande écoute à la télévision pour faire passer un message. Mais c'est pas possible. Mais sinon, je l'aurais dit comme ça. Oui, on sait que notre oui, musique alors, d'intro... Oui, alors, attends, je vais le dire. Je vais le dire, parce que je sais de quoi tu vas le dire. J'en ai marre, je voulais faire un tweet. Je me suis dit, ça va accentuer le truc. Oui, la musique du slip français utilise notre musique. C'est pas ça? Si, c'est exactement ça. J'en ai marre. Je n'arrête pas d'être mentionné. Et le... hey, les gars! Tu sais, genre, il y a une règle simple. Si tu vois un truc qui passe à la télé ou qui est beaucoup retouché sur internet, qui a un rapport avec nous, ne nous le fais pas parvenir. Il a certainement été retweeté et dit des milliers de fois. Ah, clairement, tous les jours. Vraiment, tous les jours, plusieurs fois, à chaque fois. Tous les jours. Ça, et moi, je dans le style français. Je viens de sortir de la dépression. Hein. J'ai vécu une dépression pendant plusieurs semaines à cause de ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des tweets. Vous envoyez des tweets. Arrêtez de dire pitié. Genre, c'est une évidence. Si vous voyez la pub à la télé, c'est une évidence qu'on nous l'a déjà dit. Il va crier au shit. C'est quoi le slip français? J'en sais rien, je sais même pas ce que c'est, mais j'utilise notre musique dans leur pub. Et ça passe à la télé, et du coup, voilà. Ah bon, mettez dispawn. Attends, j'ai mis un travers complètement random, c'était vraiment un bon moment.
pouvez gagner là en 2 contre 5. 2 contre 4, mais c'est pareil. Ah, il est mort, pas de cas. C'est du 1. Ouais. Bah, bravo les noobs. Super. Heiser est presque mort. Attention. Qui va tomber en premier après toi? Heiser. Ah merde, ça a faussé. Attends, ouais, non, peut-être. Ah. Ça va pas tarder. Oh, putain, ils vont pas le faire quand même. Mais les monstres! Ah merde! Ah, c'est pas juste. Si Heiser avait pas un scout, c'était win. Ah, dommage. Ah. Ah, ça, c'est vraiment dommage. C'est pas juste. Pourquoi il donne la marque de son écran? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Son pseudo il ressemble à Gnocchi, ça m'énerve. J'avoue. Une curieuse coïncidence. Écran Picard. Si Picard faisait des écrans, ce serait les meilleurs du marché. C'est sûr. Et Roche. Non, il a un spot pour faire des travers appartements de très loin et il est doué. Hein. Ça arrive. Je vais spawn sauter. De mid. Il arrive. J'ai la bombe, les gars. Ok. Mais tu m'as entendu, toi? Tu m'as entendu? Tu nous entends, le bizarre? Tu nous entends? Ils sont morts, ces mecs-là, d'ailleurs. Ah, certainement, ouais. Ils doivent être en train de méditer sur une plage en Bretagne. Je suis content qu'ils soient plus là. Et la prof de maths, la 4ème B. Pourquoi? C'est vrai que c'était. Ça a pas duré longtemps, c'était une espèce de. C'était une vague. Qui a bien ouais. marché, mais très éphémère. Ouais, putain, j'avais complètement oublié quoi. Je vais refaire ce travers. En haut. T'as voulu me taser, hein? Bah voulu non, me taser. Bah non, ça! Alors, spawn, ouais, y'en a un. Enfin, là où ça. Où ça a watch. Watch and learn. Ah, y'a la bombe! Ah, j'ai un projet. Je vais te parler d'un projet après. Il fait le round. Après, je te parle d'un projet. J'ai 12 HP, tu peux m'en parler maintenant. Hein. Tu sais qu'il y a Hytale qui va sortir. Oui. Et je me suis dit, putain, c'est le nouveau Minecraft et tout, donc il y a peut-être moyen de reproduire pas mal de choses qui ont été faites sur Minecraft et qui ont super bien marché. J'aimerais qu'on devienne. Il y a une légère différence parce qu'on est deux. Alors non, c'est une très bonne idée. J'aimerais qu'on devienne les Arnaud 00 de Hytale, si ça te tente. On t'aura tous aujourd'hui. C'est super méchant, mais ça me fait trop rire. Un monsieur très intelligent, cependant. Mais. Trop drôle. Par contre, en vrai, sans blague, j'ai trop envie d'y jouer. Hein. Vraiment. Ah, et sans blague, j'adorais ces vidéos. Mais moi aussi. J'ai regardé toutes. C'est pas que je les adorais, c'est juste que elles étaient pratiques. Allez, tu les adorais. Sois non, pas elle m'apprenait des trucs mais... que j'étais pas en mode oh yes, nouvelle vidéo d'Arnaud. Sois pas méchant avec Arnaud en fait. Bon, si t'as fait ta ferme automatisée, c'est grâce à lui donc tu vas tout de suite te calmer. Putain, les fermes automatisées. Incroyable, même. Les fermes à mob, etc. Ah, voilà, c'est déjà. Désolé, nous sommes lents. Je pense qu'on est les premiers au monde à avoir fait un diamant en diamant. Oh là, putain là. Sans tricher. La gueule de nos vies quand même. Oui.
Tout à fait. Et alors? On rappelle qu'il fallait 2, 3 et 3, 6. Il fallait 9 diamants pour faire un bloc de diamants, je crois. Putain, ouais. On l'a fait, voilà. N'ayez pas le seum. Voilà. Nora, vous êtes là en train de galérer, vous installez des mods. Mode histoire, tranquille. Oui, je peux. Merci. Bah attends, je peux peut-être t'en parler plus en fait. Ouais, carrément. Tiens. Du coup, il a répondu ou pas pour je viens de me... C'est pas moi qui l'ai eu. Ah, non, en fait, alors, je t'explique ce qui s'est passé. Quand je suis allé pour le MP, j'ai vu qu'il avait retiré de son pseudo le fait qu'il était Hightail. Du coup, je me suis dit, est-ce que genre tout le monde le fait chier, okay. Est-ce que c'est lourd? Et du coup, j'hésite. En plus, il n'y a pas eu encore de date de... Non, mais en plus, il n'y a pas de date de sortie, genre c'est même pas... Oui, mais là, je veux dire, on n'est pas Jean-François qui dit, c'est pour quand? Ouais. Non, mais en plus, alors, vraiment, moi, ça m'a l'air loin hein, comme truc. Mais je vais demander, ok, mais. Ça arrive. Je dis juste. Si, à mon avis, si je demandais dans 2 mois, tu vois, c'est pareil, quoi. Tu dis, je veux pas te déranger, est-ce que tu penses savoir. En fait, j'ai pas envie d'être le lourd, genre, ça sort quand? Parce que je pense que tout le monde leur demande, tu vois. Formule ça bien. Ça sort à quelle date? ce non, petit tu projet. Juste date? Et voilà. La bêta est dans pas et dans les mois qui viennent, peut-être pendant les grandes vacances. Ouais, c'est pas vraiment les mois qui viennent, mais. C'est dans l'entre les grandes vacances. Je vais lui envoyer un mail, regarde. Un mail. un petit MP. Cher Élysée. Cher Élysée. Il est sur site. Petit malin que nous sommes. Nous avons pu voir que tu travaillais sur le projet Hightail. Nous sommes très, très, très enjoués par ce que nous en avons vu. Et... Est-ce qu'il y aura de la redstone? Je voudrais savoir si tu regardais Arnaud 00. Si jamais un jour il y avait une bêta ou quelque chose. Ouais, je suis con, j'ai eu le dernier round, en fait. Ah bah oui. On sera très chaud. Bisous. Je pense qu'il te répond là, dans les 5 minutes qui viennent. Là. J'ai vu qu'il était en train de recoder tous ses party games aussi. C'est tous les. Oui, oui. Ce qui serait bien, c'est qu'il puisse supporter le fait qu'il y ait des milliers de personnes qui arrivent d'un coup. Et bah voilà. J'ai la vague intuition que c'est pour ça quand même. Go. Parce qu'on peut pas y jouer juste à cause de ça en fait. C'est un peu dommage. Je pense qu'il fait. Enfin, en ce moment sur Twitch, il le stream ça. En train de dev les trucs. Ce serait top que ça résolve le problème parce qu'on y joue plus quoi. Oh, il y en a encore un à part. Il va me tuer. Oh, il est bon, il est bon l'enfoiré. Putain, il est bon. Gnocchi là. Ouais, mais moins que Heiser. Vas-y, ma biche. Ah, ma biche. Ce petit fake. Bien joué. Tu m'as fait peur. Très bien joué. C'est... Ah ouais. J'espère qu'il est français, putain! Il y a deux français en face, je pense. Ah, t'as vu, il y a Easy Maniac, la youtubeuse Minecraft en face. Oh, les coïncidences!
J'avais oublié Easy Maniac. Parce que l'autre fois, je regardais toutes nos anciennes vidéos là, enfin les titres, et j'ai vu qu'il y avait une vidéo Fit Easy Maniac, et j'étais genre, ok, bah si tu veux, ok. J'avais oublié l'existence d'Easy Maniac. Je sais même plus, à part Minecraft, je sais même plus quelle est sa voix, qu'est-ce qu'elle faisait. Bah, à mon avis, t'as pas pu oublier Biloulette, cependant. Ah, le canapé de Biloulette. Là, tu l'as pas oublié parce que on dit ouais, la baignoire de Jérémy Star, je sais pas quoi. Non, le canapé, de, le Biloulette, canapé de Biloulette. Ça. Biloulette, 90 ans Minecraft. Ça, c'est les vrais. Oh putain. Elle va te retrouver, elle va reprendre sa carrière, elle va t'enculer. Allez, tu spawns. La fille de Biloulette. Plus le Z de Fanta. Le Z. Oh merde. Ça me ramène des années en arrière tout ça. Et bien sûr qu'elle était sympa ici. Après je crois qu'elle avait eu un enfant, elle s'est barrée. Ah bon? Vous avez compte au courant de ce truc là? Mais si, mais je crois. Bah je sais pas. J'en sais rien. Parce que c'est une super pote, on se voit souvent en fait. Donc. Easy Maniac. Mais je suis perçu. Je crois vraiment que c'était ça. Ça doit faire 4 ans, mais et il y a même une vidéo, tu sais, la vidéo soirée imprévue où on est dans une soirée FIFA là. Tu vois le truc? On a fait une soirée FIFA? Ou pas FIFA, PES. Soirée PES imprévue. Et bah, à un moment, tu vas jouer sur scène. Ah, et là, je vois, c'est contre Seb Lafrite. Ouais, ça, je m'en souviens de cette soirée. Et on le connaissait pas en fait. Donc, c'est super bizarre. Que, même qu'à la fin. Il était avec, je sais plus, on buvait tous des verres, il était dans un endroit circulé avec Amine, Seb, et je crois qu'il y avait Sofiane. Et bah, ils nous ont juste dit bonjour, après ils nous ont bolossé. Et j'étais, oh, je suis vexé. Bah ouais, 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 je crois vraiment que, genre, on le voit sur scène, tu sais, il nous regarde pas trop. Il a pas trop envie de nous regarder, Seb. Il nous déteste, en fait. Ah, bah, boloss. Ah, vous êtes du gaming? Ok. Ah non, gars, la CHB. T'es pas mort? 41 HP au fond du B là. Aizer, pas sûr. Voilà. D'ailleurs, j'ai. Tiens, j'avais fait un screen. Je vais l'envoyer sur WhatsApp. Terra avec tes gros sabots. Oui. Il avait 16 HP. Ah oui! Et le mec. Le mec qui t'accueille sur scène, toi t'es tout seul, tu vois. Je suis pas là. Moi j'étais en bas, toi t'étais allé. D'ailleurs, merci. Je sais pas si je te remercie à cette époque. Et le mec il dit, il te serre la main, il fait enchanté Wanky, là, asseyez-vous. C'est vrai? Oui. Regarde, je vais le tweeter le screen. Quelle soirée de merde. Je m'en souviens pas, mais je suis presque sûr que je l'ai même pas repris. De quoi? Bah, quand il a dit. Bon, ah non, non, je pense pas, je crois pas. Parce que, tu sais, quand on est quand je monte de famille, je suis pas quelqu'un qui rattrape et tout. Donc, je suis sûr qu'il a dit Wanky juste en matin, je me suis dit, fils de pute, j'ai rien dû dire. Ah, t'as dit, oh, allez, on va faire passer ça en douce. Ça, quand ça freeze, c'est que je fais un retour Windows, c'est un peu normal. Putain, je suis spectateur. Même si j'ai oublié le train pour y aller, donc bon. Putain, j'ai rien vu. Bah, je sais pas comment il a fait, mais je crois qu'il a fait un travers fumi. Ou alors j'ai mal vu. Ah, désolé. Désolé les enfants, j'ai. Vous n'aurez pas vu cette action. Ça revient, hein. C'est juste CSGO qui met Milan. Voilà. Bah, Terra, excuse-moi, mais on va faire le prochain match sans toi. Hein. Attends. Y a pas beaucoup de différence là. Ah merde. Oh là la web. Dans les dents. Hop là,
Tu donnes. Ah, les bâtards, berger. Tu veux quand même pas faire un kill. Ah bah non, t'es passé devant parce que la bombe. T'as raison, tire lui pas dessus. Ça sert à rien. Tu risquerais de lui faire mal, t'as raison. Ça sert à rien. C'était. Ah, c'est une vieille vidéo, hein, si vous la retrouvez, c'est vieux. C'est d'ailleurs une vidéo, quand j'ai vu, elle a absolument pas marché cette vidéo. Ah non, c'était de la merde. Il y a très très peu de vues dessus, mais je crois qu'il y avait eu un bug de vue, c'est pas possible mec. Quand tu regardes les vues, c'est pas possible. Il y a combien de vues? Non mais il y a un gros problème. Quoi? C'est pas possible. Combien de vues? Je regarde. Non mais tu vois toutes les autres vidéos autour, ça va. Bon, c'est pour l'époque aussi, mais quand même. Soirée. PES ou en kill. ...261 000 vues. Oh bah non, c'est beaucoup mec, attends, pour l'époque, t'es un ouf toi. Je suis pas sûr hein mec. Mais bien sûr que si, c'est de malade. Non mais le truc c'est que les autres, elles ont continué à monter aussi, tu vois. Non mais parce que les autres c'est des épisodes de l'Inquêter Acide. Les épisodes de l'Inquêter Acide, tu regardes ceux qui faisaient à l'époque 80 000 vues, ils en ont 300 aujourd'hui. Non mais je me souviens que même à l'époque on s'était dit oh, ah ouais. Ah, ouais ça c'est possible. Je m'en souviens très bien en fait. En même temps, on était là, genre on comprenait pas, on était ah, c'est ouais. Bon. J'aime pas quel montage j'ai fait pour ce truc là en plus. J'aime pas si genre j'ai fait un truc bien ou si j'étais un truc de beau. Ah, je sais plus. En même temps, c'est pas comme si on était enjoué de le faire. Non, pas trop. Bah, c'est une soirée PES quoi. Je veux dire. Bon. C'est là, genre. Autant jouer à PES, c'est marrant. Autant quand on dit, hey, soirée PES, il y aura la fouine. Là, genre. Oh. Ouais, non. Ah, c'est pas fou. Bah, dis donc, là, quand on jouera sans toi. Non, mais là, j'étais en train de regarder des vieilles vidéos et tout. J'étais en moment nostalgie, j'ai pas pu me concentrer sur la game. Oui. Mais. On a qu'un kill. J'ai un kill de plus que toi. Hein. Si on regarde que les kills et les morts. Ouais, mais si on regarde que les kills, le problème, c'est que le talent rentre en compte. Donc, les assists, les meilleurs games, les plantages de bombes. Oh, le plantage de bombe, c'est vrai que c'est un. Ah bah le plantage de bombe, quand tu l'as dans les mains, disons qu'il faut aller jusque sur le site et tuer tout le monde qui est dessus pour réussir à la poser. Ouais, ils font un talent fou, ouais. Alors que bon, les gens comme toi, ils ont la bombe dans les mains, ils savent trop quoi en faire. Ah mais heureusement que t'as clear ici de bombe pour poser ta bombe, c'est bon. Qui spawn. Voilà, je l'ai reposé. Je l'ai clear. Faut aucun kill. Aïe 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 aïe. Bon bah, oh, ouais, bah je vais me coucher, je vais me coucher, c'est pas grave. Jouer oh sans moi. Oh là, mec, t'as te dépêché pour même pour. Ah oui, et j'ai pas la bombe. Là... Non mais je suis foutu, c'est fini, bah, tant pis. Faut donner la bombe à l'un parce que le dernier n'a plus le droit de jouer. Moi je laisse ma place pour après s'il faut. Non, mais je vais partir. Pourquoi moi je vais partir. Je me rattrape en un round alors. J'ai essayé de passer devant toi pour que tu fasses moins 1 avec le TK, mais. Bah oui, mais t'as serais quand même dernier. Ouais, ouais. Mais au moins tu serais. J'aurais inventé une règle, genre un TK. Ah bah, tant pis. Attends, je vous laisse clear le site bombe. En même temps, j'ai même pas d'idée de défi parce que, après avoir montré son urètre, faut pas trop qu'il est... ça marche pour plusieurs défis. Enfin, j'ai fait l'équivalent de 3 défis quand même. Parce que... Là, mec, t'as mis la barre très haut. En plus t'as pincé, ça vaut plusieurs points. Non mais en plus tu vois je l'ai bien vécu, j'ai arrêté le live, je suis allé voir ma meuf, j'ai fait tiens regarde c'est quoi. A ton avis c'est quoi? Eh ben on va t'es dernier, c'est quand même pas de chance hein. Ouais mais avant j'étais premier. Non mais Inferno, je suis toujours une grosse merde sur Inferno. Ah t'as vu ce qu'a vu Geki? Hackers win. Allez hop. Eh là y'en a droit. Geki. Oh Geki. Oh Geki. Hackers win, on a le droit là. Gros gnocchi va. On a le droit. Tu veux voir son profil? Yes! Ah, gros gnocchi. Ça insulte de shit, hein. C'est pas bien d'insulter. Ça, c'est des accusations graves aujourd'hui quand l'e-sport est si important. Allez hop.
We're gonna build a merde. Big wall. Ah merde, putain, j'ai quitté. Oh, le rageux. Shit. Ah non, je vais rejoindre. Alors. Mais ça, en fait, on donne jamais la référence de la bite. Il y a toujours plein de bits qui se mettent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des viewers fidèles depuis des années. Quand un bloc TXT avec la bite. Mais oui. Et qui se disent, yes, j'espère qu'ils vont jouer à CSGO. Non, mais très clairement. Tu veux pas faire un showdown? Oh, parce que t'es des derniers. Non, mais je sais pas, je demande. Ah, putain. Il y a un mec, il a fait un truc génial. Sur son profil. Attends, je sais pas si je te le copie-colle, ça marche. Oui, regarde ce qu'il a fait. Ah, c'est trop bien. C'est un bonhomme qui chie, la courante s'appelle Geeky. Geeky. Putain, il a 4, plus de 4000 heures et il est à notre niveau. Bah, il avait un vieux smurf nul, quoi. Nul, il était sur son vieux smurf et il est pas très bon. En vrai, c'est vraiment punitif. Hein. Le mec est un peu désagréable dans le chat, il se retrouve avec un profil Steam ruiné par des bits. Fallait pas dire cheater sucks machin, c'est pas bien. Faut apprendre à respecter ses adversaires même dans la défaite. Mais oui. Allez, direction. Une chaudin. Un peu de dignité. J'ai bien peur qu'il y ait plus.